C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Ça va? Oh, ils sont chauds. Bonjour. Je m'appelle Félix et je suis breton. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un blanc d'un coup, là. Bah oui, je mords pas, monsieur, je mords pas. Alors, il n'y a pas longtemps, je me suis souvenu avec émotion de mes débuts au théâtre, quand j'ai commencé, à l'âge de 6 ans, quand je jouais le rôle de monsieur et madame Taupe au club théâtral de Ploubazlanec, et de mon metteur en scène de l'époque, Jean-Patrick, ou Jean Patoche, pour les intimes. Non, 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 et non, Félix, tu ne mets pas assez d'intensité dans le rôle de Monsieur Top. C'est bien plus grave que ça. Ressens ce que ressent ce personnage. Il est accablé par le poids de la responsabilité familiale. Il doit lutter chaque jour contre les attaques incessantes de ce terrible Monsieur Renard. Ah, ah. Sa femme ne l'est pas. Sa femme est une véritable cruche. Oui, tu es une cruche, Sophie. Et faire caca-culotte n'y changera rien. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. Vous ne comprenez rien à mon œuvre, les papates de la petite Totop. Décidément, vous êtes bien comme mes anciens camarades du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de la ville de Paris. Lesquels m'ont lamentablement viré par pétition, suite à ma réinterprétation très controversée de La Chèvre de Monsieur Seguin. Pièce jugée zoophile. Tu peux me dire, toi, ce que l'amour sincère entre un berger et son animal peut avoir de zoophile? Félix, tu me feras le plaisir d'apprendre l'acte 2 pour demain matin. Et je m'en fous que tu aies école. Tu veux finir comme Monsieur Taupe? Creuse, Félix, creuse et va vers la lumière. La lumière? Mais la lumière, c'est les projecteurs, c'est le théâtre. Mais c'est là, ça y est, j'avais trouvé ce que je voulais faire. Je voulais être comédien. Bon, ça, il a fallu que je l'annonce à mes parents. Alors, quand je leur ai dit que je quittais tout, que je partais à Paris pour faire du théâtre, ils l'ont plutôt bien pris. Quoi? Toi, comédien? Putain de merde! Ah, 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 ah. Putain, je savais bien que celui-ci nous préparait une connerie, mais alors celle-là? Écoute-moi bien! Ah, ah, ah. Un comédien dans la famille? Jamais! Ah, ah, ah. Je préfère encore te voir errer nu dans les rues, me dit ma mère. Mon père. Comédien! Oui, pourquoi pas, comédien, oui. Les conneries, tout ça, oui. Ah, moi, je me souviens, quand j'étais chiard... Merde, ma clope. Quand j'étais chiard, je voulais être dresseur d'ours. Ouais, j'aimais bien les grosses bêtes poilues. Bon, ben, j'ai rencontré ta mère. On a eu ton frère et toi. Eh ben tiens, je me dis que finalement, j'ai pas trop mal réussi mon coup. Merde, ma clope. Fort de tous ces encouragements, à l'âge de 20 ans, j'ai pris ma petite valise et je suis parti à Paris. Et là, j'ai découvert qu'on m'attendait pas du tout.